Bonjour à toutes, bonjour à tous, en direct de Rumilly pour vous proposer un huitième de finale, un nouveau huitième de finale de ce championnat de ligue doublette mixte et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une partie que je vais avoir le grand plaisir de commenter en compagnie de mon ami Stéphane Cagnon. Merci Pierre, bonjour à tous, bienvenue sous le soleil de Rumilly aujourd'hui. Alors une partie qui va opposer une équipe qui s'est mise un petit peu en retard dans cette compétition en bataillant beaucoup pour sortir de poule, hein, celle d'Alexandre Mallet et de Mouna Béji, tout simplement les finalistes du championnat du Rhône, un homme, une femme. Et ils rencontrent une très bonne équipe de la Drôme, Émilie Tanchon et Julien Ferreira, ils viennent de Livron. Et sur ce qu'on a vu, alors Émilie Tanchon, on la connaît parce qu'on l'a vu notamment remporter le National de Bourg-Saint-Andéol il y a quelques années en compagnie de sa sœur Amandine. Moi, pour ma part, j'ai découvert ce jeune tireur, Julien Ferreira, qui a fait du très gros tir ce matin et qui donc attendait, lui, pour son adversaire pour les huitièmes de finale. Et son adversaire, eh ben, c'est lui. C'est Alex Mallet. Le capitaine, hein, comme on l'appelle souvent. C'est Canu. Capitaine de Lyon Canu. Alex qui est un Vauclusien, hein, je pense que les plus anciens à fréquenter le circuit le savent. On a connu ses jeunes années dans le Vaucluse. Et puis depuis quelques années, il s'est fait une place. Il s'est fait une place centrale dans le club de Lyon Canu. Et du coup, il évolue maintenant avec la championne du monde, enfin l'ancienne championne du monde tunisienne, Mouna Béji, qui elle aussi s'est fait une place de choix au milieu de l'élite française, hein, puisqu'elle multiplie les carrés et les victoires dans le championnat de France. C'est une très, très belle doublette là qui va évoluer dans cette partie, et donc beaucoup de travail pour Émilie Tanchon et Julien Ferreira, mais ils sont de taille à rivaliser. Et on vient de le voir à l'écran avec ce magnifique appoint. Les sœurs Tanchon, elles sont là toutes les deux, hein, puisque Amandine Tanchon, tout à l'heure, elle a tout simplement disposé très largement de Christian Fazino. Hein. Donc Amandine Tanchon, elle est en quart de finale. Donc il peut se produire en cas de victoire de Tanchon et Ferreira, il peut se produire ce qui s'est produit tout simplement au championnat de la Drôme, hein, puisque les sœurs Tanchon se sont rencontrées en demi-finale. Oui, et puis nous trouvons notre ami Lionel Zanet qui ne rate rien, me précise qu'effectivement, malgré qu'ils se rencontrent après les poules, ils étaient dans la même poule. Exactement. Et une partie très serrée qui s'est terminée à 13-12. Carte finale de cette compétition doublette mixte. Vous allez accueillir donc sur le terrain numéro 6, tout d'abord l'équipe. Et qui s'était terminée à l'avantage des Drômois. Hein. Comité de la Drôme, Amandine Tanchon et Joël Angélique. Ah, c'est bien tiré. 13-12. C'est vrai que je n'avais pas précisé à l'avantage des blancs et gris de Livron. Le comité de la Haute-Savoie, Margaret Labartino et Didier Caillos. Ce quart de finale, Drôme face à la Haute-Savoie, ce sera sur le terrain numéro 6. Souvent tendance à répéter les choses des fois que les gens n'aient pas entendu la première fois. Pierre. Je n'avais pas entendu le dire parce que j'ai discuté avec Lionel. Donc voilà, donc effectivement, les canuts, ils savent à quoi s'attendre. Je suis convaincu par ce garçon-là. J'ai suivi un petit peu ce matin, hein, notamment exactement dans la même partie qui se déroulait à poule. Et Julien Ferreira, c'est un joueur
très sûre. Elle aussi est sûre, Mouna Béji, avec ses deux carreaux qui peut-être peuvent lui permettre d'arracher la marque. Tout dépend de cette boule là de Julien Ferreira. Alors j'ai pas posé la question à Julien Ferreira, mais l'autre jour dans le championnat de ligue de tir de précision, il y avait un jeune homme mince, barbu, qui lui ressemble un petit peu et qui s'appelle Jérémy Ferreira. Donc peut-être un lien. Oh là là, c'est bien joué. Ça c'est bien joué parce que franchement c'est des boules déjà, même si c'est la première main et qui sont un petit peu chaudes. Il pouvait en dérapant laisser 3 ou 4 points à Ferreira. Et il a arraché la marque. 1-0. Ouais, pour le joueur de Livron. Très belle main des 4 joueurs là, vraiment. Le ton est donné dans cette partie. Alors vous l'avez dit, un plateau très très relevé, certainement des joueurs et des joueuses un petit peu moins connus, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la web, mais on voit que le niveau est là, et que les meilleurs vont devoir batailler, ou les plus connus vont devoir batailler pour atteindre les demi-finales. Ah bah c'est une des raisons pour lesquelles on était très heureux d'installer le matériel de la Web TV Boulistonote ici à Rumilly, parce que on savait qu'on allait assister à des beaux chocs. D'abord parce que d'abord c'est peut-être avec la région sud, la ligue la plus relevée, c'est pas peut-être, c'est sûr. Hein. Et puis un premier écrémage, hein, parce que tous les gens qui sont là, ils sont parvenus au bout de leur championnat départementaux. Donc c'est la crème de la crème ici dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est réunie. Les Belgiques ont décidé de faire parler la poudre. On pouvait s'interroger sur cette première boule de tension, on pouvait peut-être pointer, mais non, on voit bien qu'ils ont décidé d'attaquer les canuts. Et puis ils ont vu ce matin Julien Ferreira faire beaucoup de carreaux aussi, donc on a décidé de ne pas lui laisser la parole. C'est cette petite bise là qui ne suffira pas, le point est toujours attention. Alors une boule dont elle pourra pas forcément servir, hein. Mouna Béji qui n'est pas tout à fait au jeu quand même si elle a souvent tendance à avoir un petit effet rentrant, elle va envoyer au niveau de la boule, bien droit au but. Oh, c'est très bien joué. Quelle technique. Hein. Elle est embouchonnée, hein. Ça colle au but, donc ça peut un petit peu bouger. Oh, même pas, incroyable. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu. On a vu toute la matinée là, de la part de Julien Ferreira. Il va y avoir un gros duel de tireurs là quand même, hein, de cette partie. Et
Et oui, Alex Malek n'est pas satisfait parce qu'évidemment il aurait voulu le rendre pour faire jouer tout de suite l'adversaire. Enfin, il a frappé, c'est déjà bien. Allez, BJ qui se retrouve debout à 3 et le point contre eux. C'est un petit peu long, mais ça marche. Ça mord. Pas du tout. Avec cette boule qui est restée en troisième position. Alors c'est encore un petit peu long, mais alors, par contre c'est pas sûr que ça ait mordu là. Oui, ça a mordu, dit Captain Mallet. Un joli tir pour Ferreira parce que s'il venait à cadrer encore, ça serait un beau tir à Émilie Tinchon. Alors, est-ce qu'il a fait le point sien, comme on dit dans le sud, ou pas? Mesuré. Oui, pas de certitude. Alex a l'air de dire qu'il l'a gardé, mais il va falloir sortir le maître. L'équipe du CD26, Jules Cardan, Franco Mazin, ce dernier carreau de Gilles Cardan. C'est pas pour rien qu'elle a remporté le tir de précision vendredi, ici même. Et l'équipe de Gilles Cardan n'est pas couverte pour l'instant pour les quarts de finale. Alors, a priori 2, si on a pointé. Ouais, 2, c'est confirmé. Vous l'avez vu, cette première boule d'Émilie Tinchon qui a un petit peu filé. Ouais. Alors, le
point de Béji est bon, mais il y a quand même, ça laisse quand même un petit peu de place, attention. Béji n'est pas satisfaite malgré le pouce levé d'Alex Mallet. Hein. Béji, c'est une joueuse exigeante, hein, elle a raison. C'est une énorme gagneuse. Ça l'a propulsé, je le disais en commençant, ça l'a propulsé immédiatement dès qu'elle est venue au Canu dans l'élite française. Quelques années, elle a conquis 3 titres de championne de France, Mona Béji. Et puis quelques finales aussi, on se rappelle notamment de la finale du championnat de France, doublette, là, qu'il avait opposé à Stéphane Datt. Elle jouait en compagnie de Tyson Molinas. Et il n'avait rien pu faire contre Stéphane Datt, stratosphérique. Très bien aidé par Marie-Angèle Germain, qui avait su suivre au tir quand il fallait. Un petit événement là dans cette partie là. Ah, ils ont fait le gros dos, Mallet et Béji, pendant 2 semaines. Et là maintenant, voilà une qui se présente plutôt bien pour eux. C'est regagné pour Ferreira. Ah, je ne suis pas sûr, on ne bouge pas du côté de... Oui, pourtant vu d'ici, là, c'était... J'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas bougé, Béji et Mallet. Alors, ça se complique pour les Drômois, parce que là, on va jouer la cinquième. Alors, il faut choisir. C'est tentant de pointer parce que la boule de Ferreira n'a besoin que de quelques centimètres pour compter. Mais on peut aussi essayer de garder une boule, de frapper, de faire jouer. C'est ce qu'il a choisi, Ferreira. Il va tirer. Alors, 4 boules à une pour Béji. Et le point contre eux. Mais un jeu qui reste assez ouvert hein, malgré tout. Oh, non, je crois que de toute façon il va faire de la place à Alex Mallet. Cette boule de Ferreira est en embuscade devant des 43. Qu'a gêné la reprise. Ouf, ça s'est manqué. Mais là, on va être un petit peu obligé de pointer quand même. D'autant que je vous avoue que j'ignore qui tient en troisième position hein, entre la boule que vous voyez tout à gauche et la boule que vous voyez tout à droite. Si jamais les Drômois ont 3 points, là, de toute façon, c'est le pointage obligatoire. Et puis de toute façon, c'est l'option qu'ont prise Béji et Mallet. Je pense que c'est la première frappe d'Alex Mallet. C'est pour ça qu'on a tiré, parce que je pense qu'on défendait 2 points. Ah, c'est bien tiré encore. Qu'est-ce qu'il tire bien ce garçon ? Alors des gens qui tirent bien, il y en a beaucoup hein, ici, mais généralement on les connaît, ils sont bardés de titres. Là, ce n'est pas le cas de Julien Ferreira. C'est une belle découverte. Alors autant pour moi, on est
Mais j'imagine qu'ils n'étaient pas deux fois en seconde, parce que sinon là on serait allé tirer avec deux boules à rien. Donc effectivement, il y a deux points pour les adversaires. Il faut passer la boule de... Et maintenant, tout dépendra de Mallet. Hein. Il a bien fait d'attaquer Ferreira. Elle est vraiment tombée dure, là, on l'a vu. Il n'y avait pas un poil d'épaisseur, là. Ce terrain qui est... C'est du granit, hein, dessous. Là. On ne l'a peut-être pas rappelé, mais vous le savez, si vous nous suivez depuis 4 jours, il y a de l'épaisseur de cailloux, mais alors dès qu'il n'y a plus de cailloux, c'est vraiment très, très dur, très bosselé. Et là, vous l'avez vu. Ça, c'est mieux. Oh, ça, c'est maîtrisé. Celle-là, elle ne pouvait pas aller très loin. Elle était bien enroulée. C'était une boule importante aussi, un petit peu semblable à celle qu'avait Ferreira tout à l'heure. Là. Il fallait pour Mallet, marquer. Vous voyez le terrain en détail. C'est pratiquement comme ça sur l'ensemble du carré Web Télé. Hein. Ça rend d'autant plus remarquable là, cette dernière boule d'Alex Mallet. Allez, ils ont ouvert leur compteur, la machine est en route. 3-1 pour les joueurs de la Drôme et on va démarrer la quatrième main. Au vu de ces premières mains, on peut imaginer une partie très serrée, je pense, hein, quand même. On va voir, en tout cas, j'ai l'impression de solidité là, qui est donnée par Tanchon et Ferreira qui laisse penser qu'effectivement il y a du pain sur la planche pour Mallet et BJ. Ah, de toute façon, on le sait, hein, c'est dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, là, il faut très très bien jouer pour s'imposer. Il y a tous les champions qui ont rejoint le Rhône notamment, et puis aussi le Puy-de-Dôme, hein, mais il y a aussi beaucoup de joueurs, de joueuses qui sont aguerris, hein, parce que c'est quand même la région, hein, il faut le rappeler, qui compte le plus de concours nationaux et internationaux. Donc tous les joueurs qui sont ici, ils ont l'habitude de se frotter à l'élite nationale et internationale. Donc il y a du costaud aussi chez les régionaux. Et puis il y a la quantité aussi dans la région, parce que c'est une région qui compte plus de 40 000 licenciés, c'est-à-dire si je sais bien calculer, à peu près 15% des licenciés de l'Hexagone. Ça, c'est encore très bien tiré. Il y a beaucoup de simplicité, beaucoup de pureté là, dans le tir de ce garçon. Et puis il a l'air sûr de son fait. Il n'a pas l'air du tout étonné quand il fait un carreau. Pas comme moi, dit Lionel Zané. Non, ne te dévalorise pas comme ça, Lionel. Ça nous fait de la peine à nous. Ça aussi, c'était bien tiré. Et il manquait quelques centimètres pour faire carreau. Et ils sont dans le dur, hein, Mallet et BJ. Elle a voulu jouer la boule, mon ABJ, mais dans ces jeux-là, les frappes sont tellement aléatoires que c'est un peu compliqué. Alors, si elle a gagné le point, ben, c'est moins normal. Mais je vois que du côté de la Drôme, on ne bouge pas.
Ah si, il est allé voir Ferreur. Ouais, vous êtes déjà nombreux hein, devant vos écrans là, pour suivre ensemble ces premières retransmissions de l'année. C'est la première WebTV de la saison. Mais il y en a beaucoup d'autres ensuite. Hein. On va vous donner beaucoup de rendez-vous cette année, puisque on va un petit peu sillonner le territoire. Et ben, le premier rendez-vous, tiens, c'est le week-end prochain, dans un lieu qui n'a pas reçu encore la WebTV Boulistonote, qui est ravi de nous accueillir. Et puis nous, on est ravis d'y aller. C'est Pézenas. Alors je dis une bêtise parce que c'est moi qui ne suis jamais allé à Pézenas, mais la WebTV Boulistonote, elle y est déjà allée. Oui, c'était même pour les 50 ans du club, le 50e national. En tout cas, moi je suis ravi d'aller sur ce national que j'ai disputé comme joueur les premières éditions. Ce qui ne nous rajeunit pas. Ah, c'est parfaitement joué. C'est un petit peu écarté des boules qui sont devant. Attention, elle a bien bloqué sa boule. Elle fait jouer. Alors, c'est pas franc, mais ça compte. Hein. Oh ben, c'est frappé. C'est frappé à la pétanque pour faire jouer. C'est ce qu'il fait Alex Mallet. On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Ça bombarde des deux côtés. Hein. Ah oui, c'est vraiment un très beau duel. Alors, une boule pour Mallet, deux boules pour l'équipe Tanchon, mais point pour la Drôme, donc qui est en meilleure position. Ouh, il a fait un petit quelque chose et en plus il a tout dé... Alors, je pense que derrière c'est... Oui, je suis pas sûr que ce soit rangé. Hein. Ouais. Il l'a gagné certes, mais... Alors la boule a été frappée, mais elle est restée peut-être en deuxième position. On est un petit peu loin pour vous le dire avec exactitude, mais c'est bien possible. Si c'est le cas, elle va pointer un jour. Voilà, elle va pointer, vous voyez, comme le lui indique Ferreira, à droite du but. Question de jouer droit jeu, bien évidemment, avec ces deux boules qui gâtent. Allez, dernière boule de la main, on va faire le... Oh, bah elle est restée court. Ouh là là, oui, alors ça c'est... Ah, il y avait de la place, hein. Je ne le souhaite pas, hein. Si Ferreira est un chevalier impair au 13 ou 12, combien il y en avait, s'il y en avait on n'ira pas le soir à cette boule. Pas trop dur là pour les cadus. Un point supplémentaire pour leurs adversaires. Oh.
Alors 9,90 10 mallets. 9,76 Ah, il a un bon pied, bon œil, le capitaine. Je pense qu'il aurait préféré qu'il y ait 10,02 m pour raccourcir et se mettre sur une mêlée de tir. Allez, on démarre la cinquième main. Il y a eu 5 points distribués. Donc ça avance doucement mais sûrement. Et plutôt à l'avantage de Livron pour l'instant. Qui va vouloir prendre la place tout de suite. Ah, elle est prise à la place. On a décidé de tourner, vous le voyez, il y a les creux des canuts. Oh, les... ah, quelle déception, là, je pense, Duron, parce qu'elle la voit, je pense, exploser. Quelle courbe, il a eu le temps de la voir tomber. Et malheureusement, c'est casquette. Ah, vous avez peut-être entendu, il y a de l'ambiance dans le quart de finale qui oppose Ibo Arslantas à... Ma Philippe, c'est chaud. Ouh, elle s'est bien bloquée sur la fin, cette boule. Elle a peut-être passé. Ah oui, mais là, on va tirer encore. Là, si... Allez, on défend un très très beau poids là du côté des canuts. Celle-là, elle était plein canon. Qu'est-ce qui t'appelle taper dans la boule? Ah oui, ça c'est la force de mon ABJ. À tout moment, elle peut prendre le tir dans les parties de doublette mixte. Et ça permet beaucoup plus de solutions là pour cette équipe de canuts. Doublette mixte où l'homme pointe, c'est une formule qui est extrêmement intéressante parce que ça trouble un peu le jeu pour les adversaires. Et on a vu Osvon Koranik devenir deux fois champion de France comme ça. Hein, avec, Et puis on a le cas dans ce doublette mixte hein, aussi à Rumilly avec Julie Cardon dans son équipe qui est c'est tir ça. De tête. Hein, Julie c'est Cardon ça. Qui a remporté le tir de précision. Qui est toujours en course. Quel cachot encore. On est à 10 mètres. Hein. Ouais. C'est remarquable. Et oui. Et le Romain qui se retrouve avec deux boules à 30. C'est le cas de figure là où on gagne sur les deux ou on perd sur les deux. Hein. Alors il a perdu de la première, c'est certain, c'est moins certain qu'il ait perdu de la seconde.
l'instant. Mais pour l'instant, il y a quand même une équipe qui est au-dessus de l'autre. Ouais, une qui est tout le temps en retard de boule. Hein. Donc c'est difficile pour marquer. Ouais, et puis surtout, Ferreira qui en frappe beaucoup et qui en laisse beaucoup sur le terrain. Hein. Ouais. Il espérait mieux Malé parce qu'il était plein dans sa boule, il pouvait rentrer en deux. Alors bon, il va pas se plaindre parce que c'est vrai que gagner le point c'est très bien. Mais voilà, il le montre. Il a sauté par-dessus sa boule. Heureusement, elle a bien bloqué, heureusement pour lui, elle a bien bloqué ensuite. Il va falloir prendre du bon côté hein, s'il veut garder ses deux points. Oh là là, le bouchon n'est pas sorti. Mais c'était encore un quart au pile. Hein. J'ai l'impression qu'il y a 3 points hein, pour. C'est ça. 3 points au sol pour l'équipe de la Drôme. Ça va être un très joli tir là, pour Ferreira. Et puis Moulin Béji, ben, il faut qu'elle gagne le point, mais il faut qu'elle fasse attention parce qu'on dérape vite sur ces terrains. Et puis la ficelle est à quelques centimètres derrière le but. Donc elle va sûrement essayer de se positionner un mètre devant. Ce qui rendra d'autant plus facile le tir de Ferreira. Voilà, ça c'est bien joué. Elle n'a pris aucun risque, Moulin Béji. Elle s'est mise face au bouchon, mais à un mètre devant. Et là, c'est 3 en frappant, 4 au carreau, évidemment, pour moi. Ouais, et une boule à venir. Et une boule à venir. Non, mais sans problème, il est fait le carreau. Incroyable. Il est fait, et c'est 4 points au sol. Quel festival! Impressionnant! Ouais, impressionnant ce que fait ce garçon. Hein. Alors, des gens qui font ça, on en connaît un certain nombre. Il y en avait un certain nombre aujourd'hui ici, mais là, franchement, en général, ils ont un palmarès long comme le bras. Hein, mais je pense qu'on entendra parler dans les années qui viennent de ce jeune homme. Ça va être un sacré coup d'accélérateur. Hein. Et ben voilà, rien qu'à pêche. C'est ça. Ce sera 5 points. Non, c'est un gros coup derrière la tête de Malé et de Béji. On voyait quand même les Drômois prendre la sandale constamment là, depuis le début de la partie, mais là c'est concrétisé. Hein. Alors, est-ce que cette mène va être fatidique au canu? On va voir si Julien Ferreira tient la distance. Même s'il continue comme ça, ça va être un peu compliqué hein, pour Malé et pour Béji. Alors, par contre, il y a, vous l'avez vu, un bouchon qui n'est pas trop loin là. Donc, on va peut-être pouvoir lancer une mène d'attaque. Un petit peu moins de marge hein, maintenant. 9 à 1. Et ils vont pas attaquer hein, parce que ce point-là il est bien derrière. C'est encore Ferreira qui va mener le bal là. Très très bien envoyé. C'est terrible hein, pour les adversaires. Ouais, mais c'est quand on joue bien, quand l'adversaire joue très très bien comme c'est le cas, et puis tout d'un coup quand il joue une mal et qu'il a ce genre
de réussite, ça aussi, ça fait mal à la tête. Hein. Alors, rien n'est fait, évidemment. Hein. Les deux équipes sont symboles à 4. Le seul point positif, peut-être, pour les Canus, c'est que s'ils ont la chance de prendre la place tout de suite, ça fera un petit peu plus loin à 10 pour tirer. Ouais. C'est le seul point positif, peut-être, qu'on peut leur... trop le handicap de Ferreira. De ouais. Tirer, ouais. Mais bon, quand même, là, on est passé avec quasiment 3,50 m de plus. C'est surtout une partie qui se joue dans les têtes, parce que dans les têtes, on le voit, Emalé, il a l'air un petit peu abattu quand même, parce qu'il a, il prend des coups là, depuis un moment, et puis tout d'un coup, là, il y avait cette embellie, il avait manqué Ferreira, et on attendait encore qu'il manque depuis le début. Hein, et puis là, il avait manqué, il fallait qu'il retire, et là, maintenant, les cartes sont rebattues. Hein. Ah, c'est encore très bien joué. Très très bien joué. Ouais, le public ne s'y trompe pas. Ah, et puis ça, c'est la marque des champions. Hein. Même quand ils sont abattus, ils arrivent à faire du jeu. Alors on y vient au scénario que j'avais envisagé. Oh là 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 là. Quel tireur ce garçon. C'est impressionnant la partie qu'il fournit là, face à certainement une des meilleures doublettes mixtes de France. Hein. C'est énorme. Ah, il a un sourire Alex Mallet, parce que c'est pas possible ce qui nous arrive. Là, on est à plus de 10 mètres. C'est encore parfaitement joué avec cette reprise, j'allais dire inespérée, mais en tout cas phénoménale hein, de Mallet. Hein. En envoyant comme ça, sa donnée elle était à plus de 10 mètres et il est arrivé à embouchonner sur le côté. Il bataille Alex Mallet. Ça vous pas vaincu. Finalement, il a gain de cause, enfin pour l'instant en tout cas, du moins. La boule de Ferreira était bien tirée, mais un petit peu courte. Et maintenant, on ne va plus pouvoir tirer du côté de... Alors, attention, il peut prendre le risque parce que la boule est embouchonnée. Mais là, je crois qu'on va... On va essayer de fermer le jeu pour que Moulin Béji ait la difficulté à en faire un deuxième. Ah ben là c'est bien serré. Là il y a deux points déjà qui sont Muscat. Julien Ferrac, un internaute, enfin un bouliste note nous dit que c'est un très bon joueur de jeu provençal. Mais on n'a pas dit qu'il était inconnu, on a dit qu'on ne le connaissait pas, nous. C'est différent. Pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Oh là là, elle a fermé la boutique, Émilie Tanchon. Ça va être compliqué pour Moulin Béji de faire simplement deux points. Puisque là, les boules adverses sont en deuxième, troisième, quatrième et cinquième position. Pour les quarts de finale, c'était sur le terrain numéro 1 de l'équipe de la Savoie. Alors par contre, on ne risque pas grand-chose à jouer un petit peu long. Hein. En principe. Donc
Il reste deux équipes à compter pour le quart de finale. Puisque la boule est embouchonnée. L'équipe de Savoie. L'équipe de Savoie sera opposée à l'équipe drômoise de Julie Cardo. Est-ce qu'elle peut laisser venir ? Donc elle a décidé de tirer, on va le savoir tout de suite. Ça s'est mal passé, je pense. Je pense que maintenant c'est Tanchon qui a le point. Si j'ai bien vu, on va peut-être avoir un petit replay de notre ami Lionel Zanet. C'est sûr, hein, puisqu'elle va retourner tirer. Hein. La boule de gauche est à. Enfin, la boule de droite pour vous à l'écran, la boule de gauche pour nous est au canut, donc elle va retirer. Troisième quart de finale. Tir de précision là, quasiment. Donc, 10 mètres. Numéro 12 du Licardon, Franck Romézin. Et la Savoie, Valentine Cardo, ici au Dentier, en jeu à 16h. Alors attention, parce que cette casquette, elle, il faudrait pas qu'elle ait donné, enfin il faudrait pas en tout cas pour les Lyonnais, qu'elle ait donné un deuxième point. Hein. Non, c'est pas le cas. Ouais, c'est ça. Il tire toujours pour le point, mon ABJ. Ah, vous allez voir le petit replay. Allez, dernière boute de la main dans les mains de mon ABJ. Oh là 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 là, c'est. Ah, ils n'avaient pas besoin de ça. Hein. Ah, après oui, la main précédente de 5 points. C'est ça. Ils avaient une chance de marquer. Ils n'en ont pas tellement eu dans cette partie-là. Et cette chance, elle est passée. 9 à 1. Et les Lyonnais sont toujours dans le dur. 10 à 1, je n'avais pas encore marqué. 10 à 1, pardon. Le point. Elle a toujours du mal avec sa première boule, hein. Amélie Tanchon. Ben oui, mais c'est un petit peu la clé de la partie aussi, parce que du coup, c'est Ferreira qui attaque. Hein. Pour l'instant, avec un tireur qui tire aussi bien, là, il vaut mieux que la première, que l'entame soit non, un petit peu moyen. Ouais, c'est plus. Alors, elle ne le fait pas exprès, évidemment, Amélie Tanchon. Rien qui marche pour les Lyonnais parce que cette boule pouvait en prendre un petit boom ou la BJ, c'est demi-boule. Et c'est complètement manqué. Puis, on sent un petit peu agacé mon ABJ par la tournure qu'a pris cette partie. Elle est tellement pas mal. Mais elle s'est restée dans le match.
Alors là, il ne va pas du tout se gêner, Ferrer, je pense. Il ne va pas du tout se gêner du bouchon aussi. S'il annule, finalement, c'est une bonne opération. 3 boules à 3. 2 points pour les Canus. Comme tu le dis, le but est bien sur la boule. Non, donc, c'est ça. Il s'est peut-être fait le point. Hein. Il a frappé les deux boules adverses ensemble. Quand rien ne va. Hein, pour... Ah bah c'est bien tiré. Hein. Ah oui, tout à fait. Non, mais bon, il n'était pas non plus obligé de prendre les deux. Et là, on voyait à l'écran, elles sont quand même pas complètement alignées. Il a pris comme il fallait. Petit palais sur le côté. Et ça fait jouer l'adversaire. Il a gagné, mais là, il n'est pas très content parce qu'il a mis les... D'abord parce qu'il n'est pas bon, et puis surtout parce qu'il a mis les deux boules adversaires. Ces deux boules ensemble, tout simplement. On pourrait même choisir de tirer, Ferreira. Il aurait des chances de frapper quatre boules dans la main avec deux. Et d'obliger ses adversaires à jouer bien deux fois. Pour savoir si Tinchon a gagné le point ou pas. Il n'a pas gagné. Je pense que Ferreira peut tirer. S'il frappe les deux boules ensemble, il va avoir 3 points. Tout à l'heure, c'est que ça doit suffire. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a un point ou deux ? Voilà, une fois de plus, on va avoir recours à la mesure pour savoir ce qui se passe sur cette main. J'ai l'impression qu'il y en a deux. Hein. Ouais, c'est difficile à dire. Hein. Il y a peut-être un point pour les Canus, il y a peut-être deux points pour l'adversaire. C'est ça, à mon avis, il y a deux points pour l'adversaire. Sinon, si avec un seul point, on tirerait. Et là, on voit que Alex Mallet a envisagé la possibilité de rouler le bouchon. Alors, c'est pas fait. Mais en tout cas, lui, c'est assuré la marque.
Allez, ça va leur faire du bien, je pense, de marquer. On va attendre quand même que la dernière boule soit jouée. Mais ça fait longtemps qu'ils étaient bloqués à 1. Ah, très bien joué. 2. Elle a failli le faire, le petit coup de tête au bouchon. Ça lui aurait procuré un point supplémentaire. Elle est importante pour les rouges des canules de marquer dans cette main. 3-10. Et on va démarrer la 8e main. Cette première boule, hein, vous l'avez vu, d'Alex Malek qui a filé un petit peu. Et c'est exactement la même chose pour Émilie Tanchon. Qui n'a pas gagné le point. Et toujours cette première boule où elle a vraiment, vraiment beaucoup de difficultés. Hein. C'est ça. Et c'est un petit peu embêtant parce qu'elle avait. Elle pouvait le gagner facilement. Là, elle prend le. Elle prend le dessous. Et là, c'est certainement les. C'est certainement les. Les canuts qui vont tirer, mais ça va pas être du tout le schéma habituel. Alors on réfléchit parce que le point de tension est moyen, mais du côté des canuts on a besoin de points, donc on a besoin d'une belle main. 50 devant, on va tirer quand même. Point est très beau sur ce terrain. Encore une casquette, décidément. C'est un petit peu le même tir là, qu'elle avait pris au contre tout à l'heure, moi, la BJ. Choisir un petit peu plus de sécurité là en envoyant. Mais finalement on va retrouver un scénario qu'on voit depuis le début de la partie. Les drôlements qui sont à l'attaque. Ça, on n'avait pas vu pas trop vu depuis le début de la partie ça. Et ça si Julien Ferreira baissait un petit peu de niveau, et puis il va forcément forte chance de le faire, parce que le niveau qu'il imprime à la partie depuis le début, là, c'est pas le genre de truc qu'on tient pendant 2 heures, ça peut changer un petit peu la donne. Ouais, en tout cas, il fait le jeu, hein, là, il attire à nouveau. Il va être en fait une revanche d'une partie de poule qui s'est déroulée ce matin. Et oui, c'est possible un tirage de retomber contre une équipe contre qui on a déjà joué en poule. Donc sur le terrain numéro 3, on va accueillir l'équipe dromoise de Solerieux, Julie Cardon, Franck Romezin, qui seront opposés à l'équipe 28, l'équipe de l'amicale pétante mérandaise, la Savoie, Valentine Gagnardou et Cyril Gontier. Voilà, c'est le troisième quart de finale de cette compétition. Terrain donc numéro 3, la voilà. Drôme contre la Savoie. Ah, il a de la race ce garçon, hein, parce que là il tirait un retard de boule. Il fallait qu'il cadre. Et avec ce carreau là, il a fait plus que cadrer. Là, il a un très très bon point et il interdit ses adversaires de tirer.
pauvre Julien, au fond là, qui secoue la tête sur le côté. Là. On ne vient pas d'avoir manqué, il est un peu comme Chadorian, quand il manque une roue, là. Il se demande comment il a fait. Quoi. En tout cas, là, il a encore mal frappé Alex Mallet, il a peut-être laissé 2 points. Ouais, même en restant un petit peu court, il aurait pu proposer une solution de tir à Mounabeji, mais là il est passé d'un mètre, donc 10 pour les adversaires, on ne peut plus tirer, hein, c'est pas possible. On peut tirer en frappant 2 fois, oui. Mounabeji ne perd plus, hein, mais quand même, c'est certainement pas ce qu'elle va choisir. Hein. Qu'il va tirer. Non, elle va pointer. Elle va pointer, elle s'est dit qu'elle a très peu de chances de gagner, qu'elle va certainement pointer 2 fois et qu'elle va. Et que bon, l'adversaire est potentiellement sur une main de gagne. Mais elle est obligée de faire le dos rond, Mounabeji. Ah, c'est bien joué, mais c'est perdu. Et là, maintenant, il faut absolument pas marier les deux boules. Elle va être obligée de jouer un petit peu plus à droite. C'est une boule qui a tous les contres. Alors pour finir, il faut très bien pointer. Je pense que pour si on veut gagner, il va falloir tirer celle de gauche. Ou très bien tirer. Ouais, parce qu'il se dit, si je fais carreau sur celle-ci, on peut pointer ensuite la dernière. Alors qu'en tirant celle devant, il peut prendre contre. C'est ça. Ouh là là. Alors, à qui est le point? Ça, on est incapable de vous le dire, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que elle a frappé gagné, Émilie Tanchon. Il n'y en a pas deux, c'est sûr, de toute façon. Voilà, c'est ce que lui montre Ferreira. Il a dû lui dire, en frappant, tu as gagné. Le petit problème, c'est que c'est la première boule de tir des militants. On sait qu'elle est capable de frapper. Et non, c'est pas droit. Alors on va savoir maintenant qui a le point. Hein. Je pense qu'il y en a un pour les Drômois, c'est ça. Allez, on vient de passer l'heure de jeu, un petit point supplémentaire. 11 pour la Drôme, 3 pour le Rhône. Vous voyez, on a la tête des mauvais jours là, des côtés de Malais et de Béji. On se demande à quel moment ce diable de Ferreira va baisser de niveau. Ouais, parce que même les quelques fois il a fait trou, il a souvent fait carreau derrière. Alors on se pose toujours la question souvent quand on joue, est-ce qu'il vaut mieux faire 2 frappes ou un trou ou un carreau? Mais pour l'instant, en tout cas, c'est eux qui mènent 11 à 3, qui ont la partie bien en main. C'est bien entamé. Là, c'est très bien entamé. Ah là là, c'est... On lui cherche la solution, mais Béji et Malais ne la trouvent pas. Hein.
Malé qui commence à avoir des kilomètres, des parties dans les pattes ce week-end là, parce qu'il était. Il vient de perdre avant-hier en demi-finale du National de Draguignan. Ah, c'est bien joué. Il s'est pas beaucoup égaré depuis qu'il a pris le point quand même. Ah bah, c'est... Bon, on le sait, c'est pas une surprise. Oui, on le voit évoluer depuis très longtemps pour ce tireur, mais c'est un formidable envoyeur de boules. On le constate encore une fois à cette partie. Et il continue à grêler sur la tête de Malé et de Béji. Faut avoir du mental pour aller essayer de gagner chaque fois ce point-là. C'est clair que les canuts ont donné du grain à moudre. Pardon. Ont donné du grain à moudre à Julien Ferreira, qui a pratiquement tout le temps tiré ses trois boules. Oh là 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 là, qu'est-ce qui tombe ? Ça tombe épais, comme dirait Christian Lagarde, sur ses jeux de Rumilly. Arriver parce que à force. C'est bien joué, mais il y a toujours deux points au sol. Les Dromois. Et là, ça se gâte pour les canuts, parce que ces deux points, c'est le 12e et le 13e. Quand on a deux boules contre trois, on est en mauvaise position. Je pense que... Très certainement... On va essayer de frapper la celle qui est le plus près du bouchon en espérant embarquer les deux boules, c'est ce que va tenter mon ABJ. Ah, c'est parfaitement réalisé avec le petit carreau, la cerise sur le gâteau, hein, parce que il y a deux points maintenant pour les Lyonnais. Et ça paye avec ce trou de Ferreira. Elle a de la combativité, mon ABJ, on le savait, mais franchement, quand on subit un tel orage là, depuis le début de la partie, il faut du mental pour arriver à lutter encore. Alors le but a beaucoup bougé, s'il y avait peu au début, je ne sais pas sûr qu'il y ait encore deux points. Ça peut avoir son importance. Toujours deux boules pour une. Et puis le bouchon peut se déplacer parce que la boule qui est en quatrième position, elle est à tangent. Enfin, elle est à Ferreira du moins. Ah,
On a entendu le ouf de soulagement jusqu'à nos oreilles, hein, des canuts. Petite bouffée d'oxygène là. Quel compétiteur quand même tous les deux. Il en tire encore, attention. Mais attention, parce qu'elle espère que le bouchon se déplace un petit peu. Mais s'il se déplaçait beaucoup, beaucoup, le point pourrait rester au canut. Alors tout ça, c'est des si, et ça, c'est si elle frappait, c'est manqué. On va voir. Il y a certainement comme point, hein, Stéphane. Moi, je pense que comme le but a quand même beaucoup bougé sur le premier tir à Julien Ferreira, s'il y avait très peu, et s'il y avait à ce moment-là deux points, là, il est certain que... Voilà. Voilà. Donc c'est deux en frappant pour Moulin BG. Ouais, c'est pas mal. Oh, ce caroupi, le cabinet de la championne de France, c'est superbe ce qu'il vient de réaliser. Elle était dans un mauvais cas de figure là, sur cette main. Et puis finalement, elle a renversé la vapeur. C'est 3 points pour BJ. Et une partie qui... Enfin, on ne va pas dire qu'il s'équilibre, ouais, parce que c'est 11 à 6. L'avantage est quand même nettement en faveur des Drômois. Mais cette partie n'est pas terminée. Et je pense que comme nous, vous vous régalez à la suivre, hein, devant vos écrans. Vous êtes nombreux, nombreux. Et je pense que vous avez prouvé autant de plaisir que nous à voir cette empoignade. Une boule qui a mal frappé. Il était vraiment près du but, puis on le voit, c'est beaucoup plus clair à cet endroit-là, donc je pense qu'il y a beaucoup moins d'épaisseur. Ah oui, prend beaucoup de risques Alex Mallet en voyant sur le bouchon. Dans ce jeu où, je me suis amusé à enlever le revêtement sur une partie du terrain, là ce que j'ai vu dessous, ça fait peur. Hein. Ouh là 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 là, ça c'est un petit crochet qui peut-être laisse transparaître la déception, hein, d'Emilie Tanchon, parce qu'elle se dit qu'il y a encore la main précédente, hein, si elle avait frappé double elle pouvait gagner. Hein, et là elle accuse le coup. Ouais, une boule qui n'est pas nulle part. Hein. Oui, mais on va pointer parce que quand même, c'est un point qui est quand même assez moyen. Mais c'est un point qui... Voilà, parce qu'il y a des conseils de prudence qui sont donnés à Moulin BG qui explique à Malé que s'il envoyait quand même 60 ou 80 devant le but, ça serait peut-être mieux. En cas de malheur. Et voilà. Voilà. C'est ce que lui dit Moula. Si tu prends un peu plus de marge, tu prends moins de risques. C'est un petit peu plus facile. C'est manqué. Est-ce que les mouches sont en train de changer d'âne, Stéphane ?
J'ai rien voulu dire quand Émilie Tanchon a pointé sa première boule parce qu'elle avait quand même été très très régulière jusqu'à présent. On ne va pas parler d'un signe de fébrilité parce que c'est une très bonne joueuse, mais effectivement, il y a des petites alertes là qui nous disent que peut-être que... Toujours à Bron, au Lyon, à Lyon Canu. Faut pas se tromper, hein, parce que. On pourrait fâcher quelques personnes. Alors, nous, on ne rentre pas là-dedans parce que nous sommes aussi admiratifs de ce que réalise Lyon Canu que ce que réalise le club de Bron. Ce sont deux des plus grands clubs français. C'est vrai qu'ils sont un petit peu rivaux. Alors 4 boules à 2 pour BJ et le point pour la Drôme. Là, gagné ta chance. De millimètres dans cette partie. C'est ça. Mais maintenant, alors il y a toujours avantage à Lyon, hein, mais une seule boule d'avance. Elle examine toutes les solutions, moi, BJ, mais je crois qu'il n'y en a qu'une, là, il faut frapper. Petite touchette serait suffire, pourrait suffire pour faire jouer l'adversaire. Ouais, je crois que c'est pas une touchette qu'elle espère. Oui, mais bon, voilà. Je pense qu'elle s'en contentera si c'est ce qui arrive. Je le disais tout à l'heure, l'important c'est de faire jouer l'adversaire. Voilà, ce qu'elle espérait, c'était plutôt ça, une boule cadrée. Malheureusement, il y a eu ce contre. Enfin, malheureusement pour Lyon, heureusement pour la Drôme. Allez, Julien Ferreira, qu'on va voir dans un exercice où on l'a très peu vu hein, depuis le début de la partie. Il a quasiment systématiquement tiré ses trois boules. Ça. Deux boules à deux. Le point pour BJ. Ouh là 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 là. Il a peut-être fait 2 points. Il a failli ratisser le bouchon sur tout le terrain. Hein. Ouais, il a peut-être fait 2 points pour BJ. Hein. C'est pas sûr. C'est ce qu'il est en train de regarder, Ferreira. Il regarde s'il y a 1 ou 2 points. C'est court. Alors, on va savoir si on ou deux points tout simplement en regardant si on pointe ou si on tire. Non, il n'y a qu'un point. Il n'y a qu'un point. Elle va tirer pour 2 mois la BJ. Oui, c'est un petit peu ça, hein, le BJ time. Exactement. Et puis là c'est cette boule, elle vaut. C'est une boule de remonte. Hein.
c'est bien tiré, que c'est bien tiré, c'est peut-être 3 points qui est au sol. Ah, mon ABJ, elle pèse tout son poids sur cette partie, c'est magnifique ce qu'elle réalise depuis demain. De toute façon, dès qu'ils ont tourné, que Alex a Malé a pris le poids, on a déjà vu des prémices quand même de remontada. Et là, c'est que ça se confirme. Alex Malé, à une époque, on le surnommait le remontador. Oui. Je vois à quoi tu fais allusion, dans le carré de rue 11. Ouh là 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 là, alors ça fait mal, hein, parce que c'était vraiment une boule de 10 à 11. Et alors, ils sont à portée, hein, les Lyonnais, mais franchement, c'était un dixième point qui était presque donné. Il a voulu un peu trop, alors il a voulu un peu plus l'assurer, cette boule Malé, et puis il en a pâti, hein, ça sera 3 points. Alors ça, c'est peu de choses, mais c'est un petit détail comme ça peut redonner un peu d'air à Ferreira et à Tanchon qui étaient à leur tour dans le dur là. Donc on va voir si c'est le cas. Alors 9 pour BJ, 11 pour Tanchon. La main 11, comme vous le voyez indiqué à l'écran. Et puis, si vous ne l'avez pas constaté, évidemment, c'est un quart ici du doublet mix du championnat régional. 8e de finale, excusez-moi. C'est vrai que c'est une partie qui est très en retard. Et notre ami Lionel, peut-être à ses doigts un petit peu fourchés quand il a écrit dans l'encart. 1h20 de jeu, main numéro 11, donc vous avez tout à l'écran avec le suivi des boules, bien évidemment. Ouh là là, voilà ce qu'on redoutait, tiens, pour Ferreira et Tanchon, c'est qu'ils sentent maintenant sur leur nuque le souffle de l'adversaire, et puis c'est pas du tout pareil, un petit peu différemment. Alors on a vu Ferreira souvent manquer la première et faire un carreau sur la deuxième, est-ce qu'il va trouver des ressources pour faire la même chose? Et non. Incroyable. Et non, ce garçon si brillant tout à l'heure commence à souffrir à son tour. Hein. Oui, et à s'agacer, même, je dirais. Ah oui, mais on a vu les Lyonnais beaucoup souffrir, beaucoup avoir des gouttes là sur le front là, depuis le début de la partie. Et puis maintenant, c'est du côté de la Drôme là, qu'on se gratte la tête. Hein. Et puis du coup, il ne revient pas tirer, Ferreira, il devrait. Le jeu commanderait plutôt qu'il tire à nouveau. Parce que là, maintenant, ils vont forcément se perdre ce point au moins 2 fois sur 4. Oui, puis même si BJ a marqué ses dernières mains, ils ont quand même 4 points à faire. Donc en tapant la boule là. Alors, c'est bien joué, elle a gagné. Ça, c'est vraiment bien parce que ce point, il est très bon. Elle pourrait très bien le perdre 2 fois, Tanchon, et puis être dans les amis. Pas du bon côté. Est-ce que ça suffit? Allez, il retourne. De toute façon, il défend un très beau point, comme tu l'as dit. Point qui n'a pas du tout la certitude d'être repris. Elle est juste un petit peu courte, hein, parce que si elle est un tout petit peu plus haute, elle prend la boule plein fer et ça aurait suffi pour lui faire un petit peu de chemin. Ah, c'est mieux. C'est parfait. Et du coup, du côté de Lyon, on garde la boule d'avance, ce qui était important. D'autant que la situation n'a pas changé. Hein. C'est un point qu'on perd 3 fois sur 4. Ça. 3 boules à 3 et 2 points pour les Canus. Thank you.
on sent la tension hein, sur ce carré là, maintenant, là. Des deux côtés, hein, parce que c'est encore fort à faire, la Belgique et Malaisie, même si ça va un peu mieux. Et puis on sent chez les Drômois là, quand même un petit peu de crispation. Oh ben ça c'est vraiment exceptionnel ce que vient de faire Émilie Tanchon ouais. En gagnant deux fois sur trois ce point. Mais attention, hein, vous l'avez vu, hein, j'y ai le point en frappant. Et puis elle est en quatrième position. Si elle cadrait encore, ça mettrait tout simplement sur une manne de gagne. C'est frappé, c'est bien. C'est bien. Maintenant, les canuts ne gagneront plus, c'est sûr. Ça permet un peu plus de décontraction. Enfin, à moins que Ferreira tire. Parce que s'il tire, il peut faire déplacer le boucher, ça peut tout changer. Là, maintenant, il a sagesse commanderait de pointer. Ouais, j'ai l'impression qu'il regarde la boule. Hein. Ah oui, il va tirer. Il prend le risque de contrer au bouchon. C'est quand même risqué. Hein. Mais ça veut dire qu'il a du coffre aussi. Alors, c'est... C'est gagné sur le tapis. Ouais, vous avez... C'est ça. Mais par contre, il y a... En frappant deux fois, il y a un point qui rentre pour les canuts. Est-ce que... Et en frappant, déjà, on ne perd plus, donc qu'est-ce qu'on va choisir? On va regarder si on est en troisième du côté des canuts. Alors oui, je me suis peut-être un peu avancé, mais je crois bien quand même. Que... Je pense qu'il veut tirer Alex Mallet. C'est pas une mauvaise idée, hein, parce qu'en frappant déjà il ne perd plus. Oui, et puis s'il fait carreau, il est sur le point. S'il cadre, il tirera pour deux. Et surtout, il va lever la gagne parce qu'il a souvent mal frappé, il a perdu des points comme ça. Hein, donc il redoute certainement de pointer. Il fait le jeu, c'est bien. Pour l'instant, face à eux en demi-finale. Boule évidemment capital. Ah, c'est bien tiré. C'est très bien tiré. Et maintenant il a deux points en frappant. Ça c'est costaud aussi quand même parce qu'il fallait. S'il manquait, il était obligé de retirer. Et il n'avait pas tiré depuis à peu près une heure. Allez, superbe replay là proposé par Lionel Zanet. Alors on patiente hein, parce que vous voyez à droite de l'écran ça tire. Voilà, joli. Tiré joli cardon. Et maintenant une boule pour égaliser ou pour passer devant. Hein. Alors ce qu'on ne sait pas c'est qui a le point là. Ah ben il tire pour deux. Oui, mais s'il fait trou, le point est acquis. Je crois qu'il est à la drôme. C'est bien tiré avec ce carreau, ces trois points dans l'escarcelle des joueurs. Quel coffre sur Alex Mallet. c'est magnifique. C'est fini. Comment ça? J'avais oublié un point. Alors là, on vous a... Et fausse route, il en avait 10, avec ce balai. Et bien on reste un peu 10. Bouche B. Ah oui. On va...
Non, non, mais c'est ça. Non, mais... Vraiment désolé, on avait oublié de compter un point et en fait là, tout s'éclaire, hein, les canuts avaient 10 points et Alexandre Ballet il a tenté de faire deux carreaux pour gagner, il les a fait, c'est superbe. On va essayer de l'avoir, Alexandre Ballet, le remontador, là, on va essayer de l'avoir à notre micro quelques instants parce que ça c'est exceptionnel là, ce qui s'est passé dans cette partie. Ils ont eu affaire à forte, forte partie avec un Julien Ferreira qui était à un niveau exceptionnel. Franchement, pour gagner une partie comme ça, il faut avoir de la moelle, comme on dit. Et ils nous ont démontré, Mona Béji et Alex Malek, qu'ils en avaient. C'est magnifique. Oui, je crois qu'il va venir quelques instants nous voir, Alex Malek, sur l'espace Bouliste Note. Et on va le rejoindre. Je vais le rejoindre sur le terrain. Là, finalement, ça va être plus simple. Voilà, on l'a tout de suite, Alex Malek. Oh. Voilà, ben je suis avec le remontador, on t'appelait comme ça pendant quelques années. Et là, on le souhaitait pour toi, mais ça paraissait difficile de renverser cette partie. Tu étais face à un garçon, Ferreira, qui a produit un tir phénoménal tout le début de la partie. Il fallait certainement... D'abord, il fallait faire le gros dos, puis après, il fallait y croire, je suppose, Alex. Ouais, on a fait un peu le dos rond. Après, je te reprends par rapport à ce que tu as dit, parce qu'on l'a joué dans les poules ce matin à la seconde. On était largement devant 9-1 et 12-7. Et il a tiré encore mieux que cette partie-là. Après, c'était un peu compliqué pour nous dans cette partie, car depuis ce matin, c'est vrai qu'on ne fait pas un jeu exceptionnel. Il y a des hauts et des bas, on essaie de faire au mieux, quoi. Mais dans cette partie, il n'y avait rien qui se passait comme il faut, quoi. Dès qu'on avait une petite main d'avance, on avait un bouchon qui démarrait. Voilà, alors ça paraît des fois injuste quand il nous semble qu'on fait un peu mieux et on a quand même un coup de bâton derrière, ça veut dire qu'on n'est pas assez en forme, mais bon, on va essayer d'être plus en forme la partie d'après. Le jeu est assez sélectif, on a pris l'option, je pense on a pris une très bonne option depuis ce matin, moi j'y pensais parce que je bricole un peu au tir et j'ai dit, voilà, je sais que Mouna c'est des jeux pour elle, que si elle est en ligne elle va faire beaucoup de carreaux et que moi je peux faire une petite différence au point par rapport à la femme en face. Notre partie de mixte, je pense que c'est ce qui fait notre force et c'est par rapport à ça qu'on a remonté la partie. Mouna n'a pas lâché, elle nous a fait ce carreau où elle a cassé les deux boules, même si on est joué 2 sur 3 au point, elle a été exceptionnelle sur les boules importantes et on a clôturé, on y a cru jusqu'au bout, on a clôturé de belle manière cette dernière main avec mes deux carreaux qui, voilà, il faut bien que je serve un peu de temps en temps, quoi. Et bravo Alexandre Ballet, Mona Béji, vous avez souffert toute la journée depuis ce matin, mais vous êtes toujours là. On vous souhaite encore une bonne route dans ce championnat de Ligue.